Colonel Himmler Rebut, donc bah, c'est qui très important et nous besoin quand même avis et un expert dans la question ça. Et Colonel Himmler Rebut, et merci et d'accepter notre invitation et bienvenue à l'émission Ante Débat, comment nous est? Eh bien, non, plein de forme locaux et m'a suivi comme d'habitude, même de notre réunion là. Nous sortons pour m'y dans les restes histoire. Très bien, alors nous avons besoin et tant d'avis par où, comme yon. Et comme militaire, parce que pas grand c'est militaire ou militaire pour la vie. Et le sénateur et Marco Rubio, je dis à qui font gros déclaration en faveur d'Haïti, en faveur de l'armée d'Haïti, la mène en plaidoyer donc auprès de l'administration donc Biden et pour États-Unis ta et levé embargo. Alors selon déclaration ni qui relayé par Miami Herald, donc il plaidait en faveur d'Haïti, en faveur de l'armée d'Haïti. Pour États-Unis, tu as fait ça ou qu'on est, si vous voulez aider Haïti. Et vraiment, donc en matière sécuritaire, donc puis tu as levé embargo aux amenant pour la MEA. Parce que il croit que la MEA est à doué aujourd'hui, donc et combattre gang yo et avec la police. Donc, y a telle déclaration, vous pensez que nous-mêmes nous avons saisi l'opportunité ça pour nous faire un débat sur lui? Bon, c'est un bail que nous t'es doué préparer sur le plan technique. Parce que. Que nous voulons, que nous ne pas voulons, les États-Unis ont obligé de tourner autour de questions. Ils n'ont pas qu'à résoudre les dans l'immédiat parce que c'est une loi qui est liée. C'est une loi qui mettait en embargo sur Haïti. C'est une loi qui empêchait l'armée américaine de gagner relation, le gouvernement américain de gagner relation directe dans l'utilisation des matériels létaux. C'est-à-dire que des armes qui sont capables de faire la mort à la médaille. Très bien. Mais les États-Unis toujours dit de manière très claire, ils n'ont pas le droit pour empêcher Haïti de prendre une décision en ce qui concerne leur armée. Ils ont une loi la caillou qui empêchait que vous vendent matériel militaire à l'armée d'Haïti. Maintenant, position sénateur Rubio. Bon, moi-même, moi capable de m'être anticipé depuis quelque temps, au point que me demandaient certains camarades de faire une survey sur le matériel militaire à avoir. Parce que puis le matériel militaire, ce n'est pas matériel qui va à la mort. Par exemple, le matériel de transport, le matériel de communication, et le matériel et de d'habillement. Et les équipements, c'est deux bagailles qui ont gain droit baou et sur plus bagailles qui ont caractère l'éto que ou pas capable joindre la caillou kounye ou capable joindre ailleurs. Par exemple, un pays comme l'Équateur, un pays comme le Mexique, yo gain des relations avec nous en matière d'échange militaire. Dernièrement, nous avons des délégations qui étaient parties qui ont étudié l'utilisation et des drones. Dans le cadre d'une campagne. Donc, c'est un monde qui est en Haïti, okay, ou bien pas tellement qu'on est, ou bien timoré, parce que bah, pour nous qu'on est, je dis à l'état-major dépend totalement de la volonté et du ministre Enol Joseph. Ouais, de la défense. Ouais. C'est lui-même qui décide de tout le bagage, c'est lui-même qui va grade dans la même date. Ah bon? Oui. C'est lui-même qui décide qui moun kap gen grade, qui moun ki pa gen grade, et quelque part qui met en sorte de désordre dans l'organisation de l'armée. Parce qu'on est l'armée zon qui fonctionne de manière hiérarchique, en hiérarchique droite. Très bien. L'influence latérale crée de sorte de déstabilisation là-dedans. Il y a une situation comme ça présentement. Maintenant, situation nous gen là, que nous voulons, que nous pas voulons. L'a abouti à une utilisation des forces militaires. Maintenant, c'est monsieur militaire qui l'a eu qui pour préparer. Préparer en ce sens. Si vous demandez aujourd'hui à qui ça a besoin en matière de matériel, d'équipement et d'armement, c'est trois bagages différents. Matériel, équipement, armement. C'est trois bagages différents. Mais il faut qu'on on liste qui tout près. Parce que c'est ça, là où est. Bob rete vini le dedou, li parle avec moun kap dirige Haïti yo, li pa gen sentiment que ou bien comprenne, sa y a fait ou bien anti sa y a, c'est vrai. Pour qui ça? Parce que
nous pas préparé du point de vue intellectuel et organisationnel sur le papier. Sur le papier. Pour nous faire capitaine nous. C'est un travail que moun ki nan état major aujourd'hui pas besoin d'autorisation pour ça. Ça veut dire que yo établi contact. Qui ça d'abord même colonel Himmler Ruby que l'état haïtien capable faire qu'on y a là sous question ça ou du moins sur l'armée ou bien et au état major l'armée. Toute action est d'abord dans la pensée. Si tu n'as pas une pensée, tu ne peux pas avoir une action ordonnée. Ouais, c'est clair. Moi-même qui un officier qui pas actif dans l'armée. Même travail régulièrement sous tout document organisationnel, sous officier que nous capables mobiliser pour la réouverture de l'académie militaire, sous officier qu'on capable utiliser au niveau des services de renseignement, sous officier enrôlé qu'on capable utiliser nos organisations en prévision de. C'est pas de monde qu'on pourrait aller pour mettre en action parce qu'on va gagner un pouvoir pour ça. Mais si une situation présentée. Par exemple, où imaginez que vous avez devant, vous avez dit qui matériel et équipement que vous avez dit, je ne pas qu'on est. Ce n'est pas normal. Donc, vous avez dit que ça service pas fait parabellum. Si vous faites la guerre, si vous souvlez la paix, c'est la guerre pour préparer, pour préparer la guerre. Pour les gens, je dis à moi-même, je connais les gens qui nous ont fait. Il y a deux catégories. Nous avons deux catégories de monde souterrain qui ont renforcé les rangs de l'armée tout de suite. Nous avons une autre catégorie de monde qui est à l'extérieur, qui a expertise, qui connaît l'utilisation matérielle et équipement moderne. C'est un pile haïtien qui passe dans l'armée française, l'armée américaine, l'armée canadienne, qui ont le savoir-faire, qui est immédiatement mobilisable. Très bien. Donc, si on m'en dit, moi, qu'on ait deux, trois communications publiques ou cap fait, et pour cap récupérer mon zayo, et moi, qu'on ait par exemple tout le monde qui est disponible à l'étranger, moi, qu'on ait habitué avec matériel et équipement moderne. Très bien. Maintenant, moi, qu'on ait côté pour joindre tout. Donc, moi, pas cap nos situations quand on est là, et puis, pas de réponse à des problèmes. Maintenant, le matériel létal. Et mon cap veut nous perdre pour le côté, ou bien le Brésil, ou bien l'Afrique du Sud, ou bien l'Afrique, ou bien le côté Capabedo. Mais nous avons pris précaution pour éviter, dans la situation où il est là, de bagages qui cap heurter les États-Unis qui ont un problème avec lui déjà. Et pas possible. En tout cas, pour l'histoire et la vérité, colonel Himmler Ruby, on t'y rappelle, le président Jean-Pierre Aristide était pris décision pour craser l'armée, si on a dit comme ça. Maintenant, les équipements de l'armée, ça ne dégaine comme équipement. Côté bas, ça ne dépave. Côté au passé. Il y a un pile que les Américains ont été saisis, ont été détruits. Il y a un pile de matériel que nous-mêmes nous devons en bas fil de fer. Ok. Il y a un matériel aviation que nous devons vendre avec un pays comme les Philippines. Nous avons des avions qui ont des missiles sur eux. Ah, nous avons des avions qui ont des missiles sur eux. Oui. Nous avons 6 avions que le président Duvalier a acheté en Italie. Si y a marketé à Eurélé. Nous avons missiles air-air, air-sol. Wow. Là, nous, l'armée d'Haïti a fait acquisition d'avions Sayo. Pas oublier que nous avons 48 objets volants. Et avions de reconnaissance et avions de transport. Hélicoptère. Donc nous avons 48 objets volants, et dit entre avion avec hélicoptère. Avion, hélicoptère, avion de transport, avion de reconnaissance, et hélicoptère de transport, hélicoptère et de reconnaissance, nous avons tout. Donc Amérique pas tout ça en net. Non, grand pile c'est mon dans la médaille qui te venu, gros chef qui te venu. Qui te venu? Je te venu à Philippines. Et puis, le président de Vincent là, américain était rentré, et il était prenant tout, par exemple, tout document, sous renseignement, tout personnel là, mais aux États-Unis, et général Shelton, général qui semble avec Raoul Cédric là, il était mis toute bibliothèque 4 général là, non conteneur, ni bibliothèque académie militaire, tout. Il était chargé sous bateau aller aux États-Unis avec eux.
toute bibliothèque, Académie militaire. Académie militaire, grand quartier général des forces armées d'Haïti. Tout est document. Si je dis, nous devons être dossier comme officier, bien que Raoul avec Silva, tal dans le dossier, nous devons être là dans nous. Nous devons pile et bagaille et jugement que nous devons faire pour la mieux. Nous devons un document qui est près de 1 mètre en de l'eau. Moi, je vois à peine un document de 12 cm que nous tirons pile à suivre là-dedans. Enfin, mais reste aux États-Unis. Donc, il y a un pile de bagages qui sont capables de faire pour nous. Et conseil que moi-même, je suis capable, comme son bail public lié, parce que j'ai évité de prendre contact avec l'élément d'état-major. Parce que nous sommes éléments subversifs naturellement. Je ne veux pas les mettre en position délicate. Même profiter de l'occasion, ça, et que matin débat n'a pas ouvert son discussion, n'a pas les nos discussions ouvertes. Il y a un travail que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de faire observer sur qualité, typologie, ZAM, hélicoptère, drone qui est en circulation au niveau du monde, je dis, catégorisé, qui ça y a eu loi mandé les États-Unis, qui pas l'étal, et ça qui l'étal, côté nous sommes capables de venir. Parce que si nous disons nous avons une bonne couverture aérienne, nous ne pouvons pas résoudre le problème terrestre là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est deux travail que nous sommes capables de faire. Et il y a un listing de anciens. Hier matin, il y a un sergent qui a parlé avec Wendell Theodore, qui toujours, nous toujours échange. C'est le monde qui a des recettes, le monde qui fait Afghanistan, qui fait Irak, qui fait la Syrie. Donc, c'est le monde qui a une certaine expérience. Et il y a un désir, volonté pour aider Haïti. Donc, puis le monde qui comprend qu'il y a besoin d'autorisation les États-Unis pour ça, c'est pas vrai. Les États-Unis, pas leur bon retraité, ils parlent et il y a des droits disposés à travailler dans le pays, à servir le pays. Donc, c'est un matériel humain qui est mobilisable, qui a des compétences, que nous capables d'établir contact avec eux pour joindre renseignement. Ou je l'ai par exemple pour avoir sous piston bon côté les États-Unis. Bon, c'est de bagaille nous cap mandé, c'est de bagaille l'un par là que y a pour qui ça nous dit. Très bien. Très bien. Bon, en tout cas, nous avons pile de travail et nous avons pour nous faire là. Et je dis là. Parce que pas oublier que nous sommes plus en 86 ni 90. Je dis à nous en 2024. C'est-à-dire, l'armée qui là, au état-major là, faut je dis. Ça passe avec les Américains pour en général en débarquer, les ramasser tout ça comme archive dans la bibliothèque, l'académie militaire, également quartier général à Lavelle, pour ça pas arriver encore. Ok, faut au moins je dis qu'on travaille numérique qui fait tout. Parce que nous pas en 90 encore. Eh bien c'est ça, Mabdo. Pendant la période ça là, c'est ça pour l'état-major, tu as profité fait. Oui. De toute façon, joue problème dans poser pour avoir une réponse à toutes les questions. À toutes les questions, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, merci un peu, colonel Imla Rebi. Merci pour ton temps. Merci un peu. Bon travail. Bien, première dame, non, Michel Bennett, qui dit tout ça, colonel Rebi dit, c'est vérité. Oui. Non, c'est vérité. Au colonel Imla Rebi, oui. Colonel Rebi dit vrai, ouais. Selon la c'est première vrai. Dame de la République, donc, madame Michel Bennett. Si nous analysons l'information que colonel Imla Rebi baille là matin, sous question de la mea, pourquoi ça était important pour nous deviner sous question avec le colonel Imla Rebi? C'est pas vrai que une génération qui n'a pas contacté passé dans le pays en 90, en 86, pour maintenant tout. Ok? Parce que j'ai battu Aristide, l'aile de président, il y a des jeunes garçons qui ont 10 ans. Oula, et je veux dire qui a 30 ans. Ok? Qui a 30 ans? Ça a 5 ans. Ça a 5 ans. Ok? Jeunes garçons qui vivent 2004 là. Il ne connaît pas ce qui est passé en 90, il n'a pas de maturité politique en 90. Comment il ne connaît pas là? Il n'y a pas de signe et avion qui est missile. Non, il ne connaît pas ça. Ok? Il dit que jeune garçon ne connaît pas ce qui est passé en 2004, ok? Qui a gagné 10 ans en 2004, il ne connaît pas ce qui est passé en politique dans le pays en 1990, madame, monsieur. Je dis à nous, nous en 2024, donc 2004 à 2024, ça fait exactement 20 ans. Je dis à jeune garçon, ça a exactement 30 ans. C'est même si je dis à Isaïe César, ou un jeune garçon qui a 30 ans, je dis à là, qui pas connaît ce qui est passé avec Jean-Baptiste Aristide, demandez-moi de Jean Aristide l'arrivée sous lui, je dis à là. Ou pas capable d'Aristide mal devant le nom? Jamais.
parce que le pape connaît que tu as des problèmes, que là, voilà, c'est un pile problème dans le pays. Il va connaître ça. Après, il va mettre mon chèque, il va connaître mon frère. Il connaît. Ok? Si on voit New Aristide Jodia qui a une université, qui a l'hôpital, ou pas capable d'Aristide Maldon. Soit Aristide Bon Monde. Oui, soit Aristide Bon Monde. Petit ange. Petit ange. Oui. Est-ce que vous comprenez, madame, monsieur? Je sais même que Jodia, il est important. Il est important pour nous connaître. Méchanceté que nous-mêmes nous fait tête nous. Comment t'as fait comprendre que on l'a met, c'est encore les officiers de cette armée. Donc en fait, c'est encore haïtien qui n'ont la meilleure qu'à vendre matériel la meilleure. Et Dominique, il y a des pères noirs, pile, pile. Esaïe, il y a des gens plus de respect pour nous. Esaïe, comment tu as dit ça? Lorsqu'on l'a mis qui a 48 objets volants, j'ai que. Et qu'on a dit, il m'a dit ça là. Comment tu as dit ça dans le Caraïbe là? Donc pas qu'aucun diable aux États-Unis tape quitte Haïti, monte avec la mission dans la Caraïbe, madame, monsieur. 48 objets volants entre avion et hélicoptère. Hélicoptère. Que nous avons dans l'armée. Nous avons tank. Nous avons avion missile. Et puis c'est encore nous-mêmes haïtiens qui venons à l'autre monde. C'est un pile officier de l'armée. En pile gros, en pile ancien général qui a en pile question pour répondre là. Qui les a pas qui là de Guetta Mouy. Simplement fait coup d'état. Vous savez dire madame, vous savez dire madame monsieur. Là dit que États-Unis pas jamais quitter Haïti, monter Joël t'a monté là avec on l'armée. OK? Qui t'a l'armée la plus puissante de la Caraïbe. Libère pas jamais quitter le monter là. Et Jodia, la mère crasée, avec qui est-ce? Avec la complicité encore des Haïtiens, c'est nous-mêmes encore qui crasez pour peut-être pas nous. Et puis Jodia pour nous plein pour question de sécurité, Jodia pour nous plein pour barbecue, pour ISO, pour Tilapli, pour et l'homme sans jour. L'homme sans jour. Parce que nous mettons la tête nous là. Alors ce dernier là, mais là, toujours, tape ça dans le pays là, et puis qu'on paquet de bagages, tout qui va la priver dans le pays là. Parce qu'on parle des autres qui arrivent dans le pays, c'est parce que justement, par là, mais donc l'on n'a pas un papa, donc c'est qui va arriver. C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage que c'est encore celui-là qui arrive là. Bon, en tout cas, son dossier n'a pas tourné sur lui parce que. En tout cas, je vais parler avec divers autres. Il y a un général qui est toujours là, ok? Oui. Il y a un général qui est toujours là. Et je vais saluer le général Mondésir Beaubouin, ancien ministre intérieur. Général. Nous avons pile bail pour nous parler. Si vous ne voulez pas aller dans la radio, je viens de côté pour nous quelques explications. Parce que faut que nous connaissons. Haïti besoin de connaître la vérité. Non, il faut que nous vérité. Nous besoin de vérité. Et pas vérité à commencer à parler là dans mon okay. Moi-même, pas de connaître ça. Je ne sais pas. Général Mondésir Beaubouin. Ok. Sami, moi. Ok. Et qui a pile vérité pour le partager avec nous dans le matin de la raison qui fait nous venir sur ça, c'est position. C'est sénateur Rubio. C'est nous-mêmes qui haïtiens, nous-mêmes qui l'autre bord aux États-Unis ensemble avec eux, gonflés pour nous rencontrer avec eux, pour nous renforcer position là. Pour nous renforcer, pour nous avoir une belle plus éléments pour nous continuer la bataille là. Parce que si nous pas un gros leader, un 2-3 sénateurs pour mener une bataille avec nous, pour nous, aux États-Unis, eh bien, nous deux. Eh bien, ok, bon, et il fait midi 15 minutes, donc nous avons 3 points pratiquement sous table là. Pas oublier que jeudi, c'est vendredi, eh bien, chaque vendredi, on connaît que c'est vendredi, côté que nous-mêmes nous baillons la parole, donc à ou même qui vivent dans la diaspora. Donc encore jeudi, nous allons faire le même exercice là, ou même qui vivent dans la diaspora, ou pas de chance pour placer mon port, donc dans le cadre de l'émission, et dans le cadre de l'émission Martin Débat. Ok. Pour l'histoire et pour la vérité, et selon un témoin qui tape information sur le dossier l'armée, il a coupé zèle et avion, coupé zèle hélicoptère, retiré l'hélice. Mettez dans le conteneur, elle va venir à l'étranger. Mais ça n'est fait. Elle dit, selon l'information que je reçois là, elle a coupé zèle avion, elle a coupé hélice avion, elle a coupé tête avion, elle a démonté pièce par pièce et elle va venir à l'étranger. Ok, et moi j'ai un monde qui est là sur la troisième ou quatrième fois là. Je ne peux pas prendre appel là parce que le téléphone n'a pas de charge.
moun ka prele m nan puisque c'est numéro moi ba ouais non m pa moi pa ka pran appel là parce que téléphone moi a pa gen charge ouais dossier là mais ça aïe m fait que saute parler avec un officier de l'armée là oui lui dit c'est général Boubouin qui gaze la mer soit dit là louko parce que là voilà cité général Molesi Boubouin général Boubouin officier l'armée a dit c'est général gaze la mer m'a quoi lui pour continuer gaze la mer attendez mon frère général Boubouin va ça là ah moi pas pour comme ça le team général Boubouin c'est lui même qui est allé dans le quartier général. Il tout un paquet d'officiers. Oh. Sorti là louko. Ndou fait pas la moune là. Général Modesi Boubouin. Général Boubouin. La poste rouge. Non, papa c'est le jeune poste ministre intérieur. Mon frère qui fait lui c'est la valasse rouge. Moi je suis victime de la valasse. Qui bon ça? Modesi Boubouin. Oh. Qui le? Oh, je suis victime de la valasse. Le ministre. Hein? Oh oui. Un bon papa bon service. On te comprend. Oh. Bon, la balle se fait job sale là, ça passe, vous avez appris ça, pas bonjour. Tu es victime de la balle. Ah, t'es chargé. T'es chargé, mesdames. Moi, les Boubouin, victime de la balle. T'es chargé. L'elfe ministre là. L'elfe ministre. Oh, oh. Ok. Mais ça fait évoquer comme ministre. Vous comprenez ça? On va voir. Ah, ben ok. Regardez pour elle. J'aime bien ici de douille. C'est ça, mon frère. Vous connaissez me battre là, dans point haut, parce que nous avons battu Junior là. C'est dans qui point. C'est pour me caber monsieur Miko. On allait et n'a pas le conseil là. Mais devoir un conseil monsieur Garanté. On allait. On allait. OK madame monsieur. Donc avant nous entrer dans le conseil là, Esaü, relé pour nous Sénat pour parce que hier comme hier et gagné manifestation qui fait dans Jérémy Esaü César. Contacter Sénat pour nous qui t'a souhaité intervenir donc matin. Nous pourrons parler avec Lionel Lazare. Lionel Lazare justement. Et à ce qu'il paraît, donc Louis Eder Hyacinthe, qui est directeur départemental de la police nationale d'Haïti, et information qui a passé hier là, il a peut-être un problème politique ou un problème de communication. Mais cependant, je parle avec deux autres monde, ok? Et c'est lui même qui a sonné là? Non, non, vous allez, vous faites appel là déjà. Très bien. Il est bon, vous passez. Ok? Donc, Alors oui, où tu as parlé justement? Oui, moi-même, sous dossier ça, je suis dans l'hypocrisie, je suis dans le bain caché dans le bout. Edner Louis Hyacinthe, c'est promotion, camarade de promotion. Nous faisons partie de la troisième promotion de la police nationale. Monsieur, c'est un ancien SWAT. Oui. Lazare, écrit Lazare. Lazare Sinapoua. Écrit Lazare Sinapoua. Oui. Monsieur, c'est pour camarade de promotion. Mais son nez qui a un sale caractère, son nez qui n'a pas gagné une relation moun à moun. Son nez qui est brutal. Très bien. Son nez qui est sauvage dans le langage. Son nez qui n'est pas tellement trop courtois. Au niveau de l'académie de police, formation fait pour vous. Vous aidez comme si. Pour améliorer et fonctionnement et relation mon ak mon nou et pas tout moun son moun à chaque moun son moun et va moutou volo même je ba innocent non afè bay non afè bay après se voir 50 000 gout pou bay licence pou zam non moi même ça aussi enquête mais et samdou chaque moun son moun ouais moi même moi dit que me connais monsieur comme un nèg qui fréquent. En pile fois aujourd'hui, nèg qui fréquent pas entrer dans voler ou bien faire n'importe zac. Et ça me connaît. Ça me pas dédouaner monsieur. C'est une enquête qui va le déboucher pour le mener pour qu'on ait exactement implication présumée monsieur dans tel ou tel bagage. Alors ample qui gagne dans question conteneur, il pas d'ordre rien tout ample ça. Dans ce conteneur que le déplacer pour la fontaine. Antenne. Donc c'est dans commune Moron. OK, il pas d'ordre rien tout ample. Maintenant délégué à lui-même, on a ça privé. Délégué à gain problème monsieur parce que monsieur pas était formé. Monsieur pas gain pour informer délégué. Il a déplacé un matériel pour la fond pour le tableau annexe et on antenne dans un arrondissement dans une commune. Eh ben. Il va gain pour l'informer délégué. Donc parole comme quoi c'est vendre monsieur d'avant conteneur c'est ça me pas connaît
Parce que c'est ça, Bonjour Loco, bonjour Esaïe, bonjour Galette. Nous saluons tout auditeur auditrice cap côté à émission Matin Débat. Nous saluons tout policier policière, spécialement tout policier qui dans grand danse, tout même sénateur. Son plaisir pour moi ensemble avec nous matin. Dossier Jérémy, ça connaît ça syndicat compte de dossier ça. Bon, dossier Jérémy, hein, son dossier que n'a suivre longtemps. On pas veut que on moun ou pense que c'est hier que n'a suivre dossier Jérémy. N'a suivre dossier Jérémy depuis en novembre. Depuis en novembre que n'a suivre dossier a qui gagné en pile par rapport avec une brigade d'intervention qui était faite au niveau de Grandance. Il y a des policiers qui étaient dénoncés en certains de tif enfants, yo dit que qui c'est responsable alors qui c'est chauffeur BIA. Même au niveau sénatoire nous te dit que li pas matché pour gagner des policiers qui peut-être dans une opération et puis tout pour opération ou pral faire intervention ou pral faire pas coordonné avec chauffeur qui donc nous te estimé que li pas bon. Moi même personnellement qui ça me fait et ça m'a dit là Esaïe c'est à témoin et me te parle ensemble avec Esaïe c'est ça sur ça nous même au niveau sénatoire nous même au niveau sénatoire nous pas jamais parler en bagage sans que nous pas chercher information. Bien bien, bien bien, bien bien. C'est ça que m'étais fait moi-même. Moi t'ai relé directeur départemental Grandance là. Et jusqu'à présent, moi j'ai des messages sous téléphone moi. Moi t'ai présenté et ouais, moi j'ai 14 ans dans la police. Beaucoup j'aime reconnaître monsieur Yasset en fois dans vim. OK. Moi wel dans photo pour t'a dit que son problème personnel que m'gavel. Mais l'être que ou directeur départemental l'école sont responsables, c'est parce qu'on a un certain niveau qu'il faut capable d'un poste là. Ils n'ont pas mis n'importe qui dans un poste là. Ou bon gens qui doivent soigner l'engagement avec quel que soit monde qui parle ensemble avec eux, voir que nous sommes policiers, hein? Nous sommes syndicalistes. Quel soit gens ça y a, nous sommes syndicalistes en dans institution. Très bien. Qu'on a là pour nous te parler, moi le directeur départemental là pour nous te parler ensemble avec lui pour nous dire directeur, mais ça nous apprend. Nous même nous pas dans voie monter nous pas dans bagaille nous toujours chercher information pour nous connaître qui ça lié. Monsieur répond moi pour dire moi que le pas dans tripotaille avec moun. Faut moins deal. Et tempérament lié hein. En bé. Tempérament ça cause que je dis à la victime parce que faut gon gens pour parler avec moun. Eh ben. Kounya là, les dit comme ça que si tu ne pas qu'à dire qui police qui bam information, retenez un tripotaille moins. Il pas grand rien que la balance ma avec. Ça pas pour, il pas professionnel. Yes. Il pas professionnel. Yes. Parce qu'on t'aime tout. Kounya là, dit chef là, dit chef là, nous relo pour nous clarifier on bagarre avec vous. C'est comme ça que vous parlez ensemble avec moi. Nous disons, ben ok, nous-mêmes, nous pouvons faire travail par nous. Il dit, c'est ça seulement que je fais dans la police. Ça, c'est pas dans la radio, je ne peux pas rien encore que je fais dans la police. C'est ça que je dis. Nous disons, ben ok, chef, comme vous êtes directeur départemental, avancez. Nous n'avons pas de dossier que nous gagnons, nous venons rapport sur le comportement du directeur départemental. Nous parlons avec plusieurs responsables dans le commandement pour nous dire, depuis en novembre, vos yeux sous Grandance. Parce qu'il y a des problèmes qui ont passé au niveau Grandance qui a mis la police dans une situation difficile. Il n'y a jamais fait rien comme suivi. Parce que y a une question de politique dans le dossier.
yo peur Sorel Jacinthe, yo pas voulu retirer monsieur parce que l'a supporté Sorel Jacinthe, l'a utilisé des policiers Udmo à des fins politiques en dans département dans cela. Et ben qui ça vient passer? Et ben plus fort policier qui hostile ensemble avec monsieur, il fait transférer tout policier ça. Les kounya là nous-mêmes nous pas acceptons ces de bail cap passer. Nous avons représentant Sinapoa au niveau département Gandas, mais qui ça le fait directeur départemental l'a décidé pour le bail policier à dispense, il dit comme ça que lui retire le Udmo pour le cas al fait travail syndical. Pendant ce temps nous avons 4 ans depuis notre direction générale de la police pour nous mettre pour nous dire mettons 4-5 policiers dans coordination Sinapoa pour nous faire travail nous. Nous pas jamais répondre nous jusqu'à présent pour directeur départemental ou dit comme ça que ou son faveur ou fait pour policier son privilège ou fait lui ça il pas kembe parce que il dit ces policiers cap ba nous information au niveau de Sinapoa. Nous tout teoué que on machine que directeur départemental la te baille pour tal dans manifestation voter militant politique. Oui, moi ça. Honneur, l'installation tout. Il pas bon pour image institution. Nous rencontrons avec DG, nous parlons avec plusieurs autres responsables pour nous rappeler sous dérive que le directeur départemental là apprend. Nous avons des lettres qui nous emmènent, des documents qui nous emmènent que le directeur départemental là prend 50 000 gouttes pour bailler moun côté ZAM. Ça n'a pas cadré à pièce côté. Moi, c'est pour nous dire dans la police, qui côté ça écrit pour le directeur départemental apprend comme nous emmènent moun pour bailler. Comme ça, est-ce que l'Allemand DGI ou bien l'Allemand compte la police directement. Depuis son chef qui rentre dans ça, c'est Fodjoye. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Ça, c'est Fodjoye. Depuis Kobaka prend ton côté, surtout dans l'État, dans la police, il n'y a pas qu'à dire que mes côtés, pour déposer Kobla, même Jean Baumoun, en contravention, il dit qu'on va le payer comme ça, DGI. Mais si vous avez une licence là, ou Baumoun en Kobla, son pas le payer, DGI, ça c'est Kobba ou Baumoun. Directement. Nous ne pouvons pas parler ça, personne ne nous a jamais écouté. Dernier bagage, c'est que nous venons de l'information. Et nous avons parlé des dossiers conteneurs. Monsieur Mbaldi, nous avons clair. Ça ne peut pas jamais arriver. Il n'y a pas son poste, un côté, un conteneur pour depuis un commissariat. Il n'y a pas tout peinturé, il n'y a pas tout marqué. Ah, ok, très bien. Très bien. Ça ne peut pas jamais faire. Ouais. Donc, directeur départemental là, il te ka toujours gagné souci pour la mettre en poste dans telle zone. Un, faut mettre directeur général de la police au courant sur ça. OK. Faut mettre magistrat dans zone là au courant sur ça. Faut mettre responsable commissariat qui dans zone là sur ça. Et des médias tout en tant que directeur départemental ou ka toujours prend média pour dire mon bon, gè telle zone qui bon problème, qui bon difficulté, eh bien nous te gagnons ça là, mais ça que nous pas le faire avec. Très bien. Ou tout peinturer, ou fait tout ça gagner pour faire. Un, ou al prendre, c'est dans la nuit. Ou al prendre, à qui intention, c'est dans la nuit, ou voyez prendre. Et ou pas informer pièce moun tout, mais ça que ou pas le faire. C'est le bagage à faire. Il boue, et puis tout, laisse à délégué départemental là, lui-même, que monsieur t'a supporté pour t'installer. Eh bien, vin fait saisir conteneur parce que je dis que le directeur départemental là, bon conteneur avec un monde. Et si on regarde des vidéos, côté que chauffeur Alim l'a expliqué, il dit que mec qui est sorti voyer conteneur à bail. Bien. Si un magistrat dans une communauté, ou pas le faire poste pour la police, premier côté où doit voyer conteneur, c'est bail magistrat. Parce que magistrat, la police là, c'est sous contrôle lié. Ville là, sous contrôle magistrat lié. Ou pas qu'à venir faire rien en dehors de magistrat qui est dans la ville là. Donc, nous-mêmes, que par rapport à toute dérive, ça, et nous, nous sommes allés dans la direction départementale là, pour après les abats directeurs départementales là, on pas qu'à dérive qu'à fait, et nous pas qu'à quitter la police à fonctionner dans des dérives comme ça. Et nous sommes en époque. Avant d'aller dans la densité directeur départemental nord-ouest, et m'a cherché information, m'a cherché image pour nous. Policiers ont fermé direction départementale là déjà pour comportement directeur. Ils ont fermé fort de paix, oui. M'a voyé image pour nous, m'a cherché yo policiers Udmo qui fermé. Pas de paix, vous voyez sous téléphone on parler là. Pas de paix, négocié fermé bureau
te fermé direction départementale et port de paix déjà pour comportement directeur départemental là. Tout le monde était au courant. Li te bon naïve, yo te dénoncé le tout par rapport avec ensemble de dérives que li t'a fait. Mais est-ce que dérive ça au cas fait là? Yo pas arrivé sous commandement la police a oui. Yo arrivé. Oui. Pierre Martin a tout confirmé parce que c'est mon bord de Bergelier. Il confirme. Donc nous-mêmes non pas ta canon pour monter. Et nous-mêmes nous parlons avec preuve. Même n'attendez mon a parlé pour monter non. Depuis Sinapoa, depuis 4 ans, Sinapoa veut pour j'aime pas information pour le retourner sur lui pour dire bon, il était trompé. C'est ça qui fait qu'il y a un paquet de médias internationaux, coup national, qui fait nous confiance parce que information nous, c'est information de première main. Et puis, il y a tout, Lazare Lionel, son journaliste, étudiant communication, il y a des bagailles que nous ne pouvons pas remonter. C'est ça qui fait que nous, même au niveau de Sénapoa, nous dénonçons ça, qui a passé en dedans de ça, son mauvais image pour la police nationale d'Haïti. Donc, nous-mêmes, nous souhaitons que. Pour direction générale la police qu'on a nous-mêmes nous fait travail pas nous hein qu'on a nous souhaité que pour direction et générale la police ça pour le faire travail pas là parce que gagné près de 10 directeurs départementaux 11 pour qui ça c'est un grain seulement qui décrit pour nous chercher qu'on est non gros problème pour qui ça dans sud-est directeur départemental qui l'a l'élu Yves Jacques Mel organisation doit nous décorer. La mairie a décoré, l'organisation jeune a décoré, c'est parce que le rivé travaille pas là pour le faire, l'IFEL, tout le monde voit que l'IAP travaille. Jodi à la, DG t'a pensé retirer directeur départemental sud-est là. Bon, transfert à la dans le tout, mais pour garantir que le monde sud-est a levé campé pour dire non, il n'est pas sorti. C'est parce que l'IAP travaille. Mais pour qui ça, bon, l'autre, le monde dans la communauté a demandé pour l'aller. Direction générale la police là évaluer ça qui a passé dans grand dans ça pour nous sauver la police nationale d'Haïti. Merci en pile et Lionel, merci en pile Gembela. Merci beaucoup Loco. Merci en pile monsieur Lazare. Bon, en tout cas, son mal grave. Je comme ne dit là. On pas qu'à parler de la police, on va parler de population. OK. Oui, c'est ça. C'est clair. Et bien ça qui est couillon fait pour spécial relation police population. Oui. Les gombas qui va marcher entre la police et la population, donc, c'est plus gros problème. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit directeur mental, il faut un leadership dans niveau ça. Faut d'ailleurs, police même, police. Eh ben. C'est police population. C'est d'ailleurs tout yon pas marcher sans l'ordre. Majorité courant la police, yo déroulé sous ça même police population. C'est proximité ça, yo faut créer qui tout créer. Et s'il pas créé, s'il pas gagné, il va marcher. Pas gagné, il va marcher. Il va marcher. C'est une synergie ça entre la population et la police. Ou après toute opération voit aller chez par exemple 12 mars. Non mais si la police là au-delà de renseignement, il va mener à violence tout. Bon justement. Et puis tout, on apprend nous ça dans l'académie. On apprend nous les 9 principes de Robert Peel dans l'académie la police là. Nous quoi entre 6e non mais 7e non, c'est là dans police communautaire la sortie. Donc je veux dire et ça fera même pas ouais les policiers à propos go gagan go collet les la parler avec des civils de toutes les façons moi-même et point de vue pas moi sous bah ça qui passé là et monsieur Isaïe Talotte dit c'est politique moi-même j'ai tiré réserve compte tenu de ça Lazare se dit là il était capable politique vrai pour moi-même mais tenir compte de explication Lazare là pas un conteneur qui a sorti pour faire antenne correct. Pas marqué depuis en dedans. Commissariat quelque chose matériel la police ça non là mien réserve matériel la police pour déplacer dans commissariat pour déplacer pour foncer des bagages faut que écrit ça me j'ai mettre justement c'est son deuxième bagage encore mes amis la police avec la mairie. Bon, la mairie, c'est autorité locale. Correct. Sous pas font bagaille en côté. Oui, avec la mairie. Voilà, c'est son super chef, son équipe. Ou elle tourne pas dans la promotion. Gardez papa. L'idée, il doit venir avec Anthony, la mairie a fait retirer lui. Claire. Parce que c'est mairie à côté de l'autorité locale. Normal. Et locale là, oui. Pour monsieur, lui-même, c'est le chef. Ou elle, monsieur, non, département. C'est lui seulement qui voit. Et ça crive là. Ah, ça. Et ça, et là, le bracal là. Et puis, l'autre bagarre encore. C'est Wally. L'autre bagarre encore, chauffeur a dit. Mais vous qui êtes. Oui, mais qui êtes. Mon cher. Voilà, Bacle. Quand on est assez, voilà. On est assez, voilà. Bacle. Pas de bonne station là. Bien matin. Qu'est-ce que ça? Pas de bonne station là. C'est bien, qui est-ce? Guy Philippe, mon cher.
Non. Où est mon Jean? À part où est mon Jean? Il a des soudelmas, Où est mon Jean soudelmas là? Bah, tout bon, il y a pas là. Où est mon Jean soudelmas là? Oui. Monsieur, en machine de voler, je veux dire. En attendant pour. Où est mon Jean soudelmas là? Oui. Avec plusieurs mouvements. T'es chargé. Oui, ben voilà. Et tu vas parler à lui, Louko.